Salut à tous et à toutes, c'est Romain et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler d'un câble magnétique anti-chute. C'est parti! Donc ce câble est magnétique et je vais vous expliquer comment il fonctionne. Alors c'est très simple, vous allez brancher le premier embout dans votre téléphone et ensuite vous allez relier l'autre bout du câble magnétiquement, ça va se coller et c'est vraiment hyper rapide. Alors c'est très simple et la charge fonctionne très bien. Niveau vitesse, on est à peu près dans la norme, c'est vraiment ce qui se fait en ce moment. Et on a 2 ampères sur ce câble. Vous allez donc pouvoir recharger des tablettes, des choses comme ça qui demandent pas mal d'énergie. Ça c'est un bon point. Alors dans la boîte, on va retrouver évidemment le câble en lui-même. Mais c'est pas tout. En fait, en plus de l'embout micro USB que je viens de vous montrer, on va trouver un embout Lightning pour charger soit des iPhones, soit des iPods, soit des iPads. Et là, à nouveau, c'est un câble qui est certifié, c'est-à-dire que vous n'allez pas avoir de soucis de compatibilité. On en avait déjà parlé dans une précédente vidéo, que je vous invite à aller regarder par là-haut. Je pense que vous en apprendrez un petit peu plus. Alors, faut faire une petite précision, c'est que le câble micro USB, en tout cas l'embout, fonctionne avec tout. C'est-à-dire que ce ne sera pas limité seulement au téléphone ou au smartphone. Vous allez pouvoir utiliser n'importe quel objet qui se recharge en micro USB avec ce câble. Alors niveau résistance, ce câble s'en sort pas trop mal. Encore une fois, il est dans la norme, il n'est pas extrêmement résistant, mais il n'est pas non plus vraiment très très fragile. Donc franchement, c'est à peu près correct, on va dire. Ça va pas tenir des mois et des mois, mais ça va quand même tenir quelques mois facilement. Revenons donc sur le système magnétique. Alors comment cela va vous aider à ne pas faire tomber votre téléphone? Eh bien en fait, c'est très très simple. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous embrancher dans votre câble et de faire tomber le téléphone par la même occasion? Bah ici, l'avantage du magnétique, c'est que lorsque vous allez donner un coup dans le câble, et bah en fait, il va juste se décrocher tout simplement et vous n'allez pas faire tomber le téléphone. Ça, c'est un super bon point et c'est ça qui m'a fait vraiment aimer le câble et qui fait qu'il est un petit peu particulier par rapport aux autres. Notez toutefois que le petit bémol, c'est que, étant donné que ce câble a tendance à se décrocher, si vous le prenez en main, que le câble est un peu loin, bah, il risque de se défaire justement. Ce câble, il va être plus destiné à un usage vraiment un téléphone posé, vous allez le mettre à un endroit et puis le câble va rester à un endroit. C'est pas forcément pour le tirer ou quoi que ce soit parce que, encore une fois, bah, ça va se décrocher. Donc au final, c'est le seul bémol que je vais trouver à ce câble, puisqu'en plus, nous retrouvons une petite LED sur l'embout magnétique côté câble. Et en fait, ça va vous permettre de savoir si votre téléphone est chargé, tout simplement. Donc quand c'est rouge, c'est pas chargé. Et quand c'est vert, ça veut dire que votre téléphone est chargé à 100%. Et pour l'avoir testé, ça marche plutôt bien. Pour finir, parlons de son prix. Il n'est qu'à 6€ sur Amazon pour un câble. Franchement, je trouve le prix vraiment correct. Et c'est accessible à peu près tout le monde. Alors, ce câble, il n'est pas forcément très très long comparé à celui que j'avais déjà testé. Mais honnêtement, ça fait vraiment l'affaire. Et pour 6€, encore une fois, c'est vraiment génial. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, je vous invite à mettre un pouce bleu, ça fait plaisir. Un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Et puis, je vous invite à vous abonner pour suivre mes prochaines vidéos, puisque je vais vous sortir une très très grosse vidéo dans pas très longtemps. Une petite affaire, un petit scandale par rapport à Samsung. Je vous invite vraiment à regarder ça, ça va être du lourd. Donc moi, en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao les amis. The whole world at our feet, watching seasons change.